Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Subnautica. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, alors, effectivement, on n'avait pas besoin de retourner à la surface. Tout simplement, les petits portails qu'il y avait autour, en fait, ils nous indiquaient exactement où se trouvait tout. Donc là, la scrutine, en fait, voilà, elle était ici. Donc je pouvais toujours chercher un gros arbre de mon côté. C'était vraiment une petite petite merguez à trouver au sol. Alors, je vais vous montrer le portail. Lequel c'est pour la scrutine. Si vous ne le trouvez pas, si vous voulez le trouver à l'ancienne, faites comme, comme j'ai fait jusqu'à présent, vous cherchez en surface. Sinon, vous voyez, on va y arriver. Alors, et j'espère que cette fois, quand je vais m'approcher des œufs de l'empereur, ça ne va pas planter. Mais je pense que c'était un petit problème de mémoire qui m'a fait planter le logiciel. Alors, tout simplement, quand vous arrivez dans cette pièce, donc vous arrivez par là, vous avez directement cette pièce, c'est pour la scrutine. Et les autres, c'est des... par ici, vous avez le pompon, il me semble. Là, vous avez... le... Comment ça s'appelle? Zut. Le fongique. Le fongique, il est où d'ailleurs? Il est là. Vous avez accès à tout. Donc, alors... On retourne dans le crown. La petite sauvegarde. Étant donné qu'on a tout. Donc, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai crafté le module qui me manquait pour faire le... Pour faire le morceau de fusil qui manque. Alors, c'est pas pareil ici, comme d'habitude. Une chance sur deux, on se trompe. C'est pas marrant sinon. Voilà, allez, c'est par ici, hop. Ouf, on tombe. On sort. Insérer les enzymes d'éclosion. Eh ben j'ai tout. Ah non, 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 j'ai oublié de la crafter. Ah le nul. Il faut que je retourne au cyclope. Bon, le cyclope, je vais... Je vais mettre juste le prawn. Oh, sérieusement. Sérieusement, j'ai pas réussi. Je me suis mal pris. Allez, on récupère. Hop, voilà. On se met ici. On récupère. Vous voyez, l'énergie, elle remonte vraiment très très vite. Ça veut pas comme tout à l'heure. Ouh, c'est vraiment embêtant ça, pour rester poli. Allez. Non mais c'est une blague. Ah, c'est une blague. Alors il doit y avoir certainement un autre passage. Hein. Là j'essaie de faire vite. Comment perdre du temps? Non mais... Mais non mais je le fais depuis... Depuis 2 jours je le fais. Et là il veut plus. Alors... Ça veut pas. Ça veut pas, hein. Écoutez. Est-ce que je peux sortir comme ça?
tout simplement. Voilà, allez, hop. On va pas se... Hein ? Alors, on va aller crafter ça vite fait. J'ai mon cycle, mon prend, il est là. Hop. Je vous dis, normalement, il y a peut-être un petit moyen de se téléporter dedans, mais je me rappelle plus. Ça fait vraiment, ça ferait vraiment longtemps. Si vous avez envie d'explorer, de chercher des autres passages, n'hésitez pas. Hein. Allez, j'espère que... Voilà, il a l'air toujours entier. Alors, l'empereur. S'il pourrait être... Pas à côté. Me laisser tranquille. Voilà, il m'a laissé tranquille, il m'a pas attaqué. C'est parfait. J'ai bien fait de me crafter ceci dedans le cyclope. N'hésitez pas, hein, faites-vous vraiment tous les trucs pour pouvoir avancer tranquillement. Hein. On prend à manger quand même. Hein. Normalement, on est à la fin. Donc il faudra juste que je retourne. À ma base. Pour finir le. La fusée. Et ça sera bon. Allez, voilà. On avance. Ah oui. Si je me souviens, il va falloir donc retourner à la base pour finir la fusée. Retourner dans la première base alien qu'on a trouvée, qui nous a piqué pour nous dire qu'en fait on était infecté. Et là, on va pouvoir repartir parce que techniquement, étant donné que la madame nous dit qu'elle a ce qu'on cherche. Donc ça a l'air d'être le remède. Il n'y a que ça qui nous intéresse pour qu'on puisse partir. Ah, voyez. J'ai crafté ce qu'il fallait. Et elle est prête. Alors, allez, on y va. Mini-empereur, j'en profite pour le scanner. Jeune empereur des mers. Voilà, c'est fait. Jeune empereur. Voilà, mademoiselle. Je suis toujours infecté. Alors, on récupère de l'oxygène, on ressort. Ah oui, elle voulait vraiment juste que ses enfants puissent sortir, quoi. Madame. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet. D'accord. Elle attendait juste. Elle attendait vraiment juste qu'on libère ses enfants pour mourir. It sees the gap carrément between the grains of sand. Farewell, friend. Par contre, moi j'aimerais bien que vous me soigniez. C'est ce qu'on m'avait. C'était le marché, hein, vous deviez me soigner là. Mademoiselle.
deviez me soigner. Ce que je veux pas dire, mais... toujours infecté, moi. Pourquoi vous me soignez pas? Ah, attendez, y'a quoi, là? Ah non, c'est de l'arnaque, là. Ah, vous m'avez arnaqué. Est-ce que elle, j'ai vu, elle avait peut-être gratté là. Bon, les petits bugs. Alors, voyons voir les dialogues. Je vous en remercie. À quoi ressemblera-t-elle? Peut-être que la prochaine fois. Ouais, mais moi, ce que je voulais, c'est guérir. Vous m'aviez promis la guérison, là. Pourquoi cette arnaque? C'est pas possible, j'ai raté quelque chose. Bon. Oh, elle a l'air de plus en pouvoir là. En attendant, pourquoi je peux pas être guéri? C'est quoi ça? C'est juste. Attendez, ils sont passés où ces gamins là? Ces gamins ils se sont barrés. Ça, ouais, ils se sont barrés. Hein. Fils indigne, va. Vous abandonnez votre mère. Y'a rien. Bon. Welcome aboard, Captain. Donc là, j'ai rien de plus. Une réaction d'éclosion. J'ai rien de plus à crafter. Dans la banque de données, capsule de survie, non. Données alien. Données scannées. Marche de l'aquarium. Non. Non. Tablette, non, non. Legacy non plus. Les œufs de l'empereur des mers. Alors, coquille, doublure coquille, tube alien, dispositif, sac amyobique, organisme. Non. Ah, c'est ça. Ouf, j'ai bien fait de regarder. Voilà, c'est parfait. Techniquement, on est soigné. On va voir ça tout de suite. Ah ben c'est parfait. Donc, alors, nous. On ressort. Ça tombe bien, on est juste à côté. Donc, on va aller vite se faire piquer encore. Alors, c'est par là. Vous voyez, c'est bestia, c'est petit.
Essayez de pas vous faire bouffer par les Léviathans, hein. Je veux pas dire, mais... Moi, je me casse. Allez, hop, on monte. Au passage, petite sauvegarde. Ça tombe bien, moi c'est par là que je dois aller. Je pourrais même aller directement. Vous avez le choix, vous pouvez passer par là où je passe, sinon vous pouvez aller rentrer directement par le petit passage de l'autre côté. Voire même si vous retournez là où on a trouvé la tablette, il me semble, il y avait un portail. Et ce portail nous amenait directement devant là où on se fait piquer. De toute façon. Ah ouais, c'est pas. On n'est plus à 2 minutes près comme on dit. Hein. Et hop là, c'est pas par là, c'est par là. Allez, on monte. Enfin, on descend, pardon. Vous voyez, on arrive directement ici. Le bassin qui est juste à côté. Juste à côté le portail, par où on vient d'arriver. Normalement, il y a un portail de téléportation qui nous amène directement, c'est par là, qui nous amène directement par ici. Normalement, on doit arriver par là-bas, ou par en bas, je sais plus. Je l'avais emprunté et... Je me rappelle plus par où c'était. Donc, alors. Vas-y, refais-nous ta petite picouse. Vu l'aiguille, ça fait mal. Ah ben c'est parfait. Ça a l'air désactivé. Il ne reste plus qu'à ressortir et à se barrer. Donc normalement, étant donné que j'ai tout farmé en off, allez, on va vite. Hein. Hop. Le canon a l'air d'être désactivé. Toute la structure est éteinte. Donc je suppose que... Ah. Vous voyez. Ici. Ici c'est toujours ouvert. Donc, ça marche toujours, c'est parfait. Donc, une fois que ça sera fini, le Subnautica Below Zero, donc le deuxième, je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il est toujours en Early Access. Je le ferai une fois qu'il sera sorti définitivement. Il est aussi bon, hein. Il est vraiment très très bon. Peut-être un petit peu plus facile que celui-là, mais il est tout aussi bon. Allez, le brownie m'attend. Vous voyez, le canon, il est totalement désactivé.
Allez, ça sert vraiment. Ce grappin, il sert pour tout. Des boosts de vitesse, enfin la totale. On peut jouer à Tarzan, dans les grottes sous-marines. D'ailleurs, je vous l'ai montré quand je suis retourné à chaque fois devant l'entrée de la dernière bâtisse. Allez, Neptune, je suis bientôt là. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez du jeu. Si vous ne le connaissiez pas, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. C'est nouveau. Enfin, ça a été pour l'époque vraiment très nouveau, de la survie sous-marine. Je ne me rappelle pas en avoir vu énormément, et surtout avec un monde aussi énorme, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Alors normalement j'avais tout en réserve, je n'avais pas pris. Allez, donc il me fallait, oula, je suis allé un petit peu trop bas. Donc, le générateur de cyclope, c'est fait. Lingot, alors normalement j'avais tout préparé ici. Donc, ça, le verre émaillé. Attendez. Un circuit intégré, alors est-ce que j'avais. Un circuit intégré, je l'avais. Hein. Ah non. Je suis servi. Ah zut! Ah oui, il m'en fallait un comme ça. Alors, hors fil de cuivre. Oh, putain, nom de Dieu. Et bien sûr, le cuivre. Et j'en ai plus. J'espère que je me trompe. Donc, il me faut de l'or. Alors, oh là 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 là. Ah, il me faut que tu saches, il me faut de l'or, du fil de cuivre et deux échantillons de corail. Bon, les échantillons de corail, j'en ai plus aussi, c'est parfait. Ah si, oula, si. Donc il va me manquer juste le corail à les prendre. Ça, il y en a juste à côté, pas de problème. Vérifie bien, normalement il m'en restait deux, je m'en suis servi. Ouais, il m'en restait deux, je m'en suis servi. Allez. Donc, allez. On va pas s'embêter. On prend le cimote et on va chercher ça. Ça veut toujours pas. De temps en temps, faisons comme ça, on peut monter dedans au cimote. Dans le prone, ça dépend. Et de temps en temps, ben, ça nous ouvre le. Le. Comment ça s'appelle ? Le compartiment bonus ou les. Enfin, le compartiment de stockage ou les améliorations. Ça arrive, hein. Allez, on fait. Il nous en manque juste deux. Et après, techniquement, on peut se casser de cette planète. Alors, j'en avais laissé. Normalement, j'en avais laissé par ici. Oui, non, oui. Voilà, il y en a ici. 1, 2, hop, allez. Je crois que notre personnage, quand il va sortir de la planète, il va plus jamais à la plage de sa vie. Il verra plus jamais l'océan de la même manière. Ça sera compréhensible quand on voit toutes les bestioles qui avaient sur cette planète là, tous les dangers.
vois bien avec sa femme et ses enfants. Chérie, on va à la plage cette année? Non, jamais. Plus jamais la plage. Plus jamais l'océan. Allez, hop. Alors par contre, en faisant comme je viens de faire, en coupant le simote comme ça, on peut se prendre des dégâts. Donc faites attention en faisant ça. Allez, on va quand même partir le ventre plein. Hein. De toute façon, avant de partir, je vais sauvegarder. Comme ça, si dans l'espace commentaire, vous voyez que j'ai oublié quelque chose, ou si vous voulez que je vous montre quelque chose que je n'ai pas... Peut-être que je n'ai pas montré, ou vous n'arrivez pas à trouver, je pourrais refaire directement avec tout. Donc voilà, allez, on tire une petite sauvegarde. Là, on a tout, techniquement. Voilà. On a tout. Le temps que ça craft, et ça devrait être bon. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de choses à crafter. Non, voilà, c'est vraiment la dernière partie, parce qu'à chaque fois qu'on a commencé à crafter la pièce suivante, enfin la pièce, ça nous mettait la suivante. Et vu la musique, allez. Rouge. Moi je suis un fou, je mets tout en rouge. Personnalisé et le nom, on marque, on se casse. Enfin, on se casse tout court. Ah, ça veut pas les petites icônes. Allez. Ah. Ça veut pas. Adios. Ah si, ça a marché. On va l'appeler, on se casse, allez. On se casse. Terminé. Alors, par où on monte? Parce que moi je veux me casser. Ah ben c'est parfait, par ici. En voiture Simone. Allez. Oh, j'espère qu'il faut rien de plus. Parce que là... quasiment... c'est comme si j'avais joué une journée entière. J'aimerais bien. On fait le tour. Réseau de communication. On le met en marche. Stockage. Ah. Module de puissance auxiliaire. On met tout en marche. Allez. De toute façon, il faut. S'il manque quelque chose, ça va nous le dire. Ah, donc là, j'ai tout fait ici. Monte. Allez. Activer le système de survie. Life support systems online. Préparer capsule temporelle, allez. Je sais pas pourquoi ça sert, mais on en fait une. Pas encore très vide. Bah allez. Je mets deux cubes, la tablette et un soin. Voilà, et je suis gentil, une batterie et un truc. Voilà. On met ça. Démarrer le processus principal. Primary computer systems active. All systems are good. Tous les systèmes sont bons. On a tout. Allez. Lancer la fusée. Et cette fois, on se barre enfin. Ready to launch on your command, Captain. Oui. Envoie. Launch in 10, 9, 8. Allez, petit piaf. 7, 6, 5. Au lieu de partir si vous voulez pas finir en. 2, 1. En bouffe. Bon, la musique est pas mal aussi. La capsule a été larguée au cas où il y en ait d'autres qui se
bah, qui se plantent sur cette planète. Ça leur servira peut-être. Regardez-moi ça, magnifique. Caution, approaching orbital debris field. Ah super. Allez, encore. Orbital debris field clear. Non. Performing gravity turn maneuver. Ah non, me faites pas retourner dessus, hein. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. Ah c'est bon, on a réussi à se barrer. Ah, vraiment pas de chance, hein. On s'est crashé à cause des débris, on se barre, on se reprend encore des débris. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. Donc elle nous parle pour la dernière fois. We are different, but we go together. Donc elle, elle meurt, et nous, on s'en va. Eh bien, écoutez, moi, ça m'a fait énormément plaisir de refaire ce jeu, qui est très bon. Je l'ai fait, je refais surtout avec vous. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas vraiment le petit pouce bleu si ça vous a plu. Les commentaires, allez-y, n'hésitez pas. J'ai peut-être raté des choses. Comme vous avez vu sur la fin, j'avais raté dans l'épisode précédent, normalement. J'avais raté un module de l'Aurora. Et j'ai trouvé une nouvelle, un nouveau craft que je n'avais pas trouvé aussi dans les parties précédentes. Donc moi j'ai bien aimé. Je ferai d'autres séries sur d'autres jeux. Je pense peut-être un peu plus des jeux d'horreur. Donc je verrai par la suite. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.